Je suis Jean-Henri Thubert, professeur à l'Université Lyon 3 et l'entraîneur de l'équipe étudiante de Lyon 3 et de l'équipe Rugby Club Universitaire Lyonnais. Je m'appelle Benoît Guérin, je fais partie de l'équipe du Hercule. Je m'occupe maintenant de la partie médicale. Donc mon rôle, en fait, il est d'entraîner ces jeunes pour derrière faire de la compétition avec la Fédération Française du Rugby. On a créé le club maintenant il y a 3 ans de cela. C'est des joueurs qui arrivent chez nous à l'université, qui ont 18 ans post-bac et qui vont jusqu'en fin d'études Master 1, Master 2. Des avocats et des professions médicales, il y a des médecins, donc c'est super. Super large. Le club a été créé il y a 3 ans. Chaque année, on est monté. Donc, au fur et à mesure de nos montées respectives, le championnat devient de plus en plus difficile. Tant mieux, c'est ce qu'on voulait. L'année prochaine, on aimerait monter en promotion d'honneur. On retrouve beaucoup de choses dans le rugby. Des notions de combat, des notions de plaquage, de la vitesse. C'est extrêmement fraternel. C'est ça qui est motivant. Notre démarche, elle s'appuie sur du partage, sur de la cohésion de groupe, parce qu'on est tous à peu près, ils ont tous à peu près le même âge et le même état d'esprit. Et puis derrière, ce qu'on veut surtout, c'est se faire plaisir sur le terrain, donc produire du jeu. La difficulté première, c'est le problème, c'est le manque de budget. Nous, ce qu'on aimerait à la longue, c'est pouvoir organiser plus de choses comme ça pour faire vivre le club, pour aller à des stages, pour avoir des maillots d'entraînement. Donc on a 0 subvention. Le terrain, c'est le terrain de l'université. Et on s'est dit que cette année, avec les déplacements qu'on avait et avec les objectifs qu'on s'était fixés, il fallait essayer justement d'aller vers d'autres financements, d'où l'idée de faire cette démarche avec vous. On aimerait attirer à nous d'autres partenaires qui apprécient, j'ai envie de dire, les valeurs qu'on véhicule sur le terrain, parce qu'on est une équipe qui produit beaucoup de jeux. Je voudrais remercier Intersport qui ont été super cool avec nous et qui nous ont suivis. Ça va faire du bien au club parce que justement, on va pouvoir nous connaître. On voulait vous remercier Intersport parce que tout simplement, ces jeunes méritent un accompagnement et vous le faites de par la démarche qui est la vôtre. Merci à vous et ils vous le rendront bien.